veux. Coucou et bonjour à vous YouTube. Par contre, tu m'as dit, hop. Bonjour, ou YouTube. À quoi ça peut bien servir? C'est mieux là? Cette magie est normale? C'est un peu mieux. Hop. On est reparti. Ah, j'ai toujours l'impression de revenir à la maison quand je vais à l'académie. Tout à fait. Et c'est ici même que nos aventures ont commencé il y a toutes ces années. Oui, comment oublier avoir été enlevé par un artefact doué de conscience? Je vois qu'il y a une ombre de nouveautés excitantes ici. À quoi ça peut bien servir? On se demande. Mais j'aime beaucoup comme elle brille. Allons récupérer nos marques de reconnaissance auprès de cette dame Aurore que je puisse enfin retourner à mes projets. Zoya, tes vêtements sont troués. Toi qui es toujours si impeccable d'habitude. Il m'est arrivé une mésaventure en venant ici. Gâchette. Ah, un problème. T'as un problème? Ah. Charlie, tu peux bouger, toi? Quoi? Tu peux bouger? Oui. Ah, attends. On a perdu monsieur. Oui, il peut plus bouger. J'ai plus ta manette de connecter. Je te réinvite. J'ai toujours pas de manette. Ah, ça y est, j'ai ta manette. Essaye. Attends. La gâchette à droite en haut pour changer le perso. Oui, oui. C'est bon? Ça devrait. Y'a rien à faire là si tu tires dans le vieux. Dans le vieux. J'adore le plafond par contre. Hmm? Allez, on est reparti à l'aventure. Changer de personnage, on a trouvé déjà. Non, j'ai cru que t'étais en train de te faire taper par un lit. Toi, tu dois écraser là. Tu peux te faire un pont aussi. Chien, non? Oh. Où est-ce qu'il est sorti seul? C'est bon? Mais si, il y a quelqu'un qui mettait la carte. Oh.
Je voulais jouer RP, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je change de personnage à chaque fois. Come on. Ouais, et après. Par contre, je vais retourner en bas d'abord. Il y a rien d'autre en bas. J'ai pas la pression. Fait des bruits bizarres le truc quand même. Gaëtan Pimpin. Les quoi quoi? Les pimpins. Ah, je peux se jouer avec des pimpins, oui. Courez, mais ça ne vous sauvera pas de vos examens. Si vous ne revenez pas immédiatement, vous serez tous suspendus indéfiniment, professeur Duber. Ah, professeur, les étudiants sont partis en vadrouille. Peut-être en quête de nouveaux parchemins de sort. C'est une statue ou c'est un dragon? Bah, il fume, il a les yeux qui font des trucs. Par contre, il n'y a pas un truc à faire avec... C'est tout. Et maintenant, c'est pas tout, faut viser la pierre là-haut. Ah, ça tu peux le faire. Allez, allez Xeno. Hein, moi? Oui. C'est toi l'archer. Je crois que tu demandais au mage de balancer une caisse. C'est pas fou, excuse-moi, j'ai pas précisé. Oh les gâteaux. Oh les gâteaux. Oh les flambis. Non mais t'as vu tous les gâteaux ou pas là? Parce que y en a quand même beaucoup. Le petit flambi là. Oui bah gobe-le si tu veux. Oh là là tous les gâteaux. Regarde, paf. Oh, on dirait que c'est ici. Je vais manger le gâteau. Et pas d'invité. Mais il y a du gâteau. Il m'a fait froid, nous. Aïe. Non, j'ai raté. Ah d'accord, c'est ça l'histoire. Vas-y, je tiens, je bouge plus. Oh, ça marche pas. Avec la caisse peut-être ? Faut tirer dans le truc qui est derrière, s'il vous plaît. Archer. Dans quoi qu'il faut tirer? Là-bas. Ah. Ah, ah. Dans l'autre sens. Ouais. Allez, là-haut, j'ai loupé. Et il faut peut-être arrêter au bout d'un moment, non? Attends. Hop. Non, trop tard. Top. Oh, bah non, ça va pas être bon, gars, il manque un bout. Aussi avec un mage, avec un... Voilà. Ça marche aussi. C'est gratuit. Là, je peux pas. Là, là, là. Il est parti où? Oh, y'a un lapin! Lapin! Qu'est-ce qu'il faut faire? Y'a quoi en bas? Je peux pas voir. Oh, le mage là, il vient pas, le mage, on voit rien. Oula. Wilhelmina a perdu son chapeau. Il y avait vraiment écrit équipé.
Oui, j'ai équipé. Tu veux voir ta tête? Oh, c'est mignon, t'as un petit ruban. Oh oui. T'as un petit ruban, c'est tout mignon. Ah, oh, oh, oh. Ouais, faut que je pousse ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Non, c'est... Allez, ouf, le guerrier. De quoi le guerrier? Bah, il faut mettre de l'eau. Ah, j'ai pas vu. What? Oula. Il va exploser le truc, non? C'est bon? Non, regarde, ça continue. On a cassé le jeu. Attends, ça continue, regarde. Je crois que ça s'arrête pas en fait. Hein. Mais si, regarde, on arrive à zéro là. Arbre de compétences. Ah bah tiens. Pardon, chaque dégage, héros a ses propres compétences et améliorations. Changer de héros avec LB, RB. Alors. Les compétences de héros principales se débloquent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Le deuxième, va jouer. Vous pouvez échanger vos points de compétences contre des améliorations. Les améliorations de compétences ne peuvent être achetées qu'après avoir débloqué en jeu. Donc... Plus de caisse. Plus de caisse, et puis ça c'est quoi? Masque puissant traverse un objet. Et après, sinon, tu as quoi là? Pourquoi je peux pas jouer là? Ouais. Roulade avant, esquivant les ennemis et les alliés. Coup de pied et saut mural. On va faire un tour sur le guerrier, voir ce qu'il y a de bien. Épée, marteau. Bouclier. Il peut sauter sur son bouclier pour surfer sur l'eau, la lave et les pics, l'acide et autres surfaces dangereuses. Il faut 5 points pour voler. Voilà. C'est bon? Oh, tu prends ce que tu veux. Hein. De toute façon, on verra bien. Héros de Trayn, bienvenue. Je suis Dame Aurore Valcouronne, l'organisatrice des festivités. C'est un honneur, Dame Aurore. Ces formalités sont inutiles entre amis, et vous trois êtes bien évidemment mes amis. Nous n'attendons pas les invités pour la cérémonie? Mais si! Tout d'abord, placez-vous au centre, s'il vous plaît, afin que nous immortalisions ce moment par un portrait. Ça, c'est dans mes cordes. Laissez-moi vous faire une Comment place. Comment ça sent le traquenard? Quoi? Mais ce n'est pas du tout une réception. Arrêtez de gigoter, ça ne fera pas mal. Et ça ne durera que quelques secondes.
à moi. Pourquoi est-ce aussi long? Bon, bah, on va être obligé de tricher et de mettre deux. D'accord, je vais comprendre. L'autre côté. Chevalier, attrapez-les. Dame Aurore, en chasse. Vous voilà. Bah, je sais pas. Il faut aller où? Bah là, c'est... on vient de par là, donc je vais par là maintenant. Et pousse, 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 pousse. Mais va bosser le guerrier. C'est bon. Ah. Oh, va falloir jouer à deux guerriers. Non, regarde, il faut juste. Il y a un truc à casser là, l'archer là, il fait. Là, là, là. Tu vois, il fait pas son boulot. Allez. Mais pourquoi Mais... Voilà pourquoi. J'ai pas envie de tout ça. D'accord. Ah. Alors attends. Hein. Ça tient là. Comme ça. C'est bon? Ça a l'air. C'est pas moi. Je jure, c'est pas. Je l'ai entendu rire en fond. Mais c'est Chéri qui rigole. Mais pourquoi tu retires ma caisse? Mais c'est pour monter là-haut. Mais pourquoi tu veux pas monter sur l'autre directement? Oh là là, oh là là. Tout ça pour qu'on prenne son chemin à elle, quoi. Bah, je fais un effort. C'est pour le guerrier. Il peut taper là. Raté. Il y a quelque chose au-dessus. Ah, il y a la sauvegarde. Quoi? Peut-être l'inverse du coup. Même pas. Même pas. C'est quoi ce truc? Tu peux pas directement le contrôler ce truc là? Non. Mais du coup, on monte comment nous? On va être obligé de changer quoi. Moi je pensais qu'il fallait passer par en bas. Ouais, un truc qu'on n'a pas compris. Oh non, même pas. On peut y aller en bas du coup, mais dire on passe en l'autre côté. Mais. Y'a quoi en haut? Bon, Oh oh. Bon voyage. C'est
C'est bon, tu peux casser le truc, t'es allée. Oui, oui, tu peux descendre. Je voulais voir... Oui, gauche, mais attends, j'attends que le joueur 2 il vienne. Oh, bon. Ah. Ah. Non. Ah si. Je peux pas l'ouvrir ce truc. Comment on fait pour ouvrir le coffre? Menu des moissons de la rose. Ah, comme ça. Tapis, là, pour qu'il passe par-dessus. Beurre fouetté, potage épais, soupe aux choux, pudding à la rose et aux amandes. Pas de remboursement pour poils de chien. Le menu des moissons de la rose rouge. Miam. Ouais. Oups. Oh, mais c'est pas possible. Je peux pas y aller. Mais comment tu... Comment ça fait? Non, faut péter le truc avant, mais... Ou alors faut partir de là. Bah non, c'est trop loin. Enfin, je crois. Ouais, ça me paraît loin, ouais. Oula. Ou alors il faut faire un triplé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est excédent, il arrête pas de sauter. Ces hommes en métal brillant font la police dans le royaume désormais. Ils seront bons pour la casse quand cette histoire sera finie. Toi aussi tu le trouves bizarre? Le cerceau là. Ouais. Oups. Oups. Mais je vois pas... Moi non plus. Ou alors c'est parce qu'il est en lévitation comme le truc là. Oui, c'est tout. Alors... Prendre la caisse maintenant. Celui qui tient la caisse, tu peux faire ce que fait le Gary? Bah non. Ah si. Ah si, oui d'accord, je vois ce que tu dis. Bah utilise la caisse pour pousser en fait, comme ça. Il y a un truc à casser en face de toi. Ah bah non. Ouf. Ah. Peut-être. Là. Bah oui.
J'ai peur. Oui, il faut passer par là. Oula. Et toi, tu montes comment? Tu peux tirer l'archer en face. Alors ça, c'est... Faut que quelqu'un se transforme en guerrier, du coup... On m'a dit en guerrier, pas mettre une caisse, ça sert à rien la caisse. Donne un coup. Voilà. Allez. Mais comment tu fais pour taper dans le truc? Bah là, il y en a un autre. Je peux pas monter. Mais je... Ah, j'arrive pas à sortir. Ça rend malade. Il y a quoi là-haut, du coup? Là, j'ai ramassé des trucs, mais il y en a en face, au-dessus du X, là. Ah oui, là, oui. Ah non, je peux pas y aller. Eh, c'est pas non. Ah oui, ça on voit pas aussi. Merci. Mais... Oups. RT. Oups. On peut le descendre plus? Non, j'ai monté pour libérer le truc. Par contre, on peut... Ah. Ah. Ah, mais c'est compliqué en vrai de... Ah, ça y est. Voilà. C'est chouette. Rally, t'as déjà tes souhaits parce que j'ai pas vu que t'allais faire à tout, mais alors je peux couper. Non, je sais pas, d'un coup, tu on dirait que t'es absent, c'est pour ça.
Ça se casse pas, ça? Faut bien croire que non. Oh, je n'arrive pas à croire qu'on ait remplacé d'honnêtes chevaliers par ces automates de pacotille. Il n'empêche, c'est bien plus drôle de les démonter que de tirer sur tes amis, Pontius. Maîtresse Wilhelmina, quel soulagement de vous voir. Vous devez contacter le conseil et les informer que Dame Aurore Valcouronne est totalement hors de contrôle. Elle a peut-être blessé certains de vos collègues. Elle a l'air totalement plus là. Il a disparu. Et voilà que la grande magicienne a perdu la boule. Quelle coïncidence. On n'a qu'un point, on verra plus tard, non? J'ai cru que les carottes, elles allaient nous tuer. Elles sont en train de se battre en duel, sérieux? Toujours à moi de me sacrifier. T'aurais attendu quelques temps, j'aurais peut-être mis une pièce, hein, mais bon. C'est clair. Bon, bah, la prochaine fois, j'attends, alors. C'est quoi ça? Aïe. Aïe. Et en plus, il vole. Des souhaits. Bah, c'est pas assez. C'est pas un problème de corde, c'est un problème de chevalier. Oh, j'arrive pas à les casser. Et juste avant, on entend « Oh, c'est dangereux, là !» Non, ma caisse. Mais la caisse, on va mettre là où il y a la Il n'y a plus de micro, chérie. Ouais, t'as plus de micro. La caisse, on va la mettre où il y a les deux. Les deux poteaux. Entre les deux poteaux. Les poteaux. Ah, ça va pousser. Comme ça. Et tu mets une planche entre. Oula. Presque. Presque.
peux le faire. On n'a plus de guerriers pour nous protéger. Fais gaffe, Charlie, il va te viser. C'est bon, C'est bon, moi. C'est bon, nous. Y'a rien là, on peut pas aller plus loin. Ah, on a là-bas. Oublié quelque chose, non. Ah bah. Tout simplement. N'oubliez pas de sauter. Moi j'ai envie d'aller voir de l'autre côté quand même. C'est trop tentant. Où ça? Bah par là. À gauche. Ouais. 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 Vas-y, suicide-toi, vas-y. Va plus à gauche. Allez, au revoir. C'est bien. Il y avait un truc, mais il y avait rien dedans. Ah, mais ça tape en plus. Ah, et ça a cassé mon bouclier. Ah, je suis mort. Ah, ça a cassé mon bouclier. D'accord. Là, je suis là-bas. Pardon. Ça l'a même pas cassé. Bah non, t'as amorti la chute avec ta tête. Bonjour monsieur, madame. Que se passe-t-il ici? Ah, c'est parce que c'est pas à moi de le récupérer, c'est ça? Tu peux pas la récupérer plus là. Ah, on peut lâcher maintenant? Mais... Non, vous voulez pas me laisser la carotte? Mais c'est pas moi. Ah, Amadeus, toi, t'as pas peur. Pourquoi y a-t-il un hérisson mauve géant dans la cour de l'Académie Astrale? Je ne sais pas. C'est peut-être un étudiant qui a raté son examen de potion. C'est triste. Il y en a plein là-haut. Préparez la caisse. Ah, merci bien. Ah non? On va être trop... Même là, on pourra jamais. Attends, elle me fait peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah oui, il a remis ses pics. Aïe. Mais tu vas mourir, hein. Mais bon, bois. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté, s'il vous plaît? On va de l'autre côté, mais là on a les trucs verts. Bon. Fais comme tu le sens. Voilà, ça te va là. Voilà. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Non, mais on voulait les trucs verts dans l'art. Ben oui, mais c'est pas comme ça que je voulais le faire, c'est tout. Il y a un joueur 2 qui va mourir. Ah, t'es bien là? Ça va, ça va.
Ah ouais. Il faut de l'eau. Un second vélo. Attends. D'accord, il n'y a rien au bas. On va y aller. Tu peux faire une corde sur ta caisse là. Accroche ta corde sur la caisse. Ah ouais. Il n'y a pas d'eau. Fais pas avoir d'eau. Pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Par contre, personne veut le machin là-bas. Si, mais on fait comment pour l'avoir? Ah. Faut que tu mettes une planche. Non, tu veux pas mettre de planche? Et comment je fais pour allumer le... Faire les trois en même temps. Oui. Sur la corde, tu peux pas... Ouais. Et s'il y en a un qui est motivé, il va chercher le truc qui pique, le petit truc vert, non? Il en valait le coup, le truc vert, hein. Je perds, hein. Chevalier, protégez-moi de ces vautours. Mec. Aïe. 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 Prononcez, Dame Aurore, nous vous arrêtons. Cher héros, je sais que vous êtes désorienté, mais de grâce, calmez-vous. Le conseil a décidé que vos pouvoirs héroïques devaient être confisqués par notre gouvernement. Le but de cette machine était d'extraire les pouvoirs de l'artefact d'âme de vos personnes. Ces pouvoirs qui lient vos trois essences et vous permettent de résister à tous les coups du sort. Des pouvoirs que vous avez volés à l'Académie Astrale. Non ! Quoi ? Non. Or donc, vous prétendez n'être jamais entré dans la chambre forte de l'Académie sans autorisation. Trine était une personne qui a choisi de nous léguer ses pouvoirs. Qui me dit que ce ne sont pas là les mensonges d'une voleuse et de ses complices? Madame, il y a un malentendu. Nous sommes les héros de Trine. Nous faisons le bien et rien d'autre. Vraiment? Parce qu'il paraît que l'un d'entre vous a usé de sa célébrité pour être logé sans payer. Et une autre parmi vous a une longue et triste carrière de misérable larcin. Cependant, je vais faire preuve de clémence pour Pontius qui utilise ses pouvoirs pour le bien, dans ma grande mansuétude. Et si vous acceptez de vous présenter devant le conseil pour y être jugé, nous verrons ce qui peut être fait de vous. Désemparés à la suite des révélations de Dame Aurore Valcouronne, les héros reprirent la longue route qui les ramènerait en ville. Ils allaient devoir se frayer un chemin jusqu'au château royal où ils pourraient plaider leur cause devant le conseil. Les pouvoirs mystiques de Trine appartenaient à nos trois chers héros et cela ne faisait aucun doute. Et voilà, terminé le chapitre. Allez-y. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On fait le chapitre suivant la prochaine fois? Je pense que oui, hein, c'est là. Mm-hmm. T'as un magnifique déhanché, là. Ouais. Ils sont mignons, tous les trois. Merci de nous avoir regardé YouTube. On vous dit la suite au prochain épisode. Pour l'instant, on ne l'a pas programmé. On ne sait pas pour quand. Oui. Merci YouTube. À bientôt. À bientôt. À bientôt.